Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est John. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, j'ai changé la pâte thermique récemment pour une nouvelle et les pâtes thermiques de la PS4. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous prouver l'efficacité de cette manip par le biais d'une vidéo en mettant un gameplay. Ça fait à peu près une demi-heure que je joue sur Bloodborne, ainsi qu'une application qui permet de mesurer les décibels sur une ambiance sonore, quoi. Donc, il y a un petit pic à 55 décibels, c'est normal, c'est l'allumage de l'appareil photo hein, qui met un bip. Et vous retrouvez également le gameplay, mais j'ai coupé le son pour éviter d'avoir des pics de décibels qui fausseraient totalement le bruit, le volume sonore de la PS4. Donc on se retrouve sur un gameplay qui a duré à peu près une demi-heure. Hein. J'ai attendu une demi-heure que la console soit bien chaude pour pas fausser le résultat. Donc pour la console, j'ai mis en pâte thermique de l'NX4. Et j'ai changé les pâtes thermiques par des pâtes que j'ai trouvées sur Amazon hein, qui étaient relativement correctes niveau tarif. Voilà. Donc après cette manipulation, bah, on se rend compte qu'après une demi-heure de jeu, je tourne à 35 décibels, 37 grand max. Pour une PS4, je trouve que c'est super. Je suis super content d'avoir fait cette manip. J'ai été gagnant en tout, hein, parce que les nuisances sonores d'une PS4 qui fait un bruit de réacteur d'avion. Parce que c'est un type de ventilation centrifuge, ça fait pas mal de bruit, c'est assez inconvenant. Donc voilà, si jamais ça vous a donné envie de changer la pâte thermique pour avoir une PS4 un peu plus silencieuse, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Hein, si jamais vous avez des potes qui sont dans ce cas-là, ils auront peut-être envie de pouvoir se rendre une PS4 bien silencieuse. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao!